Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, de vous accueillir à Un Monde à l'envers. Mon nom est Jean Granger, on est le 29 avril 2020, 19h18, heure du Québec, avec toute une découverte qui nous a été faite par des anthropologues anglais. Merci à, je pense que c'est Az qui m'a envoyé le message, le lien, c'est vraiment gentil. On va aller voir ça ensemble, vraiment une découverte fascinante. L'Équateur dévoile des squelettes d'une ancienne race d'humains géants. On nous dit presque 7 fois plus grande que les humains modernes. Ben, c'est pas vraiment 7 fois, mais de 7 pieds à 8 pieds de taille. Une équipe de chercheurs dirigée par l'anthropologue britannique Russell Dement a fait la découverte de squelettes remarquablement hauts dans la région amazonienne de l'Équateur et du Pérou. Et les recherches sont en cours d'examen en Allemagne. Ces restes prouveraient-ils qu'une race de personnes de grande taille existait au plus profond de la forêt amazonienne il y a des centaines d'années? On sait que dans les écrits les anciens, dans les écrits bibliques, il est question de ces races de géants. Hein? Une demi-douzaine de squelettes humains du début des années 1400 au milieu des années 1500 ont été confirmés, variant de 7 pieds à 8 pieds, soit 213 à 243 cm de hauteur. Dement a déclaré à la revue ou au magazine High Life, « Nous sommes très tôt dans nos recherches, je ne peux que donner un aperçu général de ce que nous avons trouvé. Je ne veux pas faire de réclamations basées sur des spéculations car notre travail est en cours. En raison de la taille des squelettes, cela a des implications à la fois anthropologiques et médicales. » Fin 2013, Dement a appris qu'un squelette avait été découvert par un habitant du soir. Environ 70 000 de Chuen ou Suenca, dans la province de Loja, en Équateur, Dement s'est rendu sur le site et a récupéré la cage thoracique et le crâne d'une femelle qui avait été exposée par les inondations. On pense que les os datent d'il y a 600 ans. Le reste du squelette a été localisé et, une fois assemblé, aurait mesuré 7 pieds et 4 pouces, 223,5 cm de hauteur. Cela a incité la formation d'une équipe de recherche comprenant 4 chercheurs de Freie Universität en Allemagne et l'assistance des habitants de Soire. Un financement a été fourni par l'université pour les fouilles et les investigations. En raison de la nature sensationnelle de ce que nous venons de trouver, nous devons être extrêmement diligents dans nos recherches, nous dit Dement de Russell, ou Monsieur Dement. Reconnaissant qu'il s'agit d'un domaine de recherche controversé, Dement a noté, « Même si je travaille avec Frey depuis de nombreuses années, je craignais qu'il ne donne pas de subvention pour quelqu'un à la recherche de géants, nous dit-il. Pour les étrangers en particulier, les scientifiques, je comprends que cela semble un peu épineux. En raison de la nature sensationnelle de tout cela, nous devons être extrêmement diligents dans nos recherches, car elles seront accueillies avec beaucoup de scepticisme, a-t-il déclaré. 3 squelettes complets et 2 squelettes partiels n'avaient aucune défiguration et ils étaient relativement sains. Dement a déclaré à High Life, les squelettes ne montrent aucun signe de maladie tels que les problèmes de croissance hormonale qui sont courants dans la plupart des cas de gigantisme. Dans tous les squelettes, les articulations semblaient saines et la cavité pulmonaire semblait grande. L'un des squelettes que nous avons daté était celui d'une femme qui avait environ 60 ans lorsqu'elle est décédée, beaucoup plus vieux que les cas typiques de gigantisme. Les enterrements étaient élaborés, les corps étaient enveloppés dans des feuilles et enterrés dans une argile épaisse. Cela a scellé les squelettes et protégé les intrusions, contre les intrusions d'eau, laissant les restes en assez bon état. Donc, vraiment fascinant tout ça. Je vous laisserai le lien de tout ça. De plus, il y a autour de ces pays. Donc, on nous dit, les légendes disent que cette région était connue comme le cimetière des dieux, car dans les temps anciens, cette région était habitée par des géants. De nombreux experts affirment que ce lieu était la cité perdue des géants, puisque de nombreuses pyramides y ont été découvertes, et leur taille a atteint 80 mètres de haut et 80 mètres de large. De plus, autour de ces pyramides, on a découvert de nombreux objets qui y ont probablement été utilisé pour l'exploitation minière. Les experts pensent que cet endroit appartenait à une mystérieuse culture pré-Inca, inconnue. Vraiment intéressant. Merci à notre abonné. Je vais aller voir son nom tout de suite, parce que ça m'intrigue. Restez là, je vous reviens avec son nom. Merci à Dom Arbraz. Dom Arbraz.
pour cette fabuleuse découverte. Merci. Puis je vous reviens avec d'autres choses.